communautarisme. 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 Derrière ce mot barbare, qui se veut viser large, inclusif, est décrié en réalité un seul fait, unique. Que des personnes d'origine arabo-musulmane vivent en France, parfois rassemblées aux mêmes endroits. Communautarisme. Puis, très vite, ce mot permet de délier toutes les langues les plus vipères du pays, qui viennent alors incriminer ces populations qui auraient, selon elles, ces langues vipères, choisi délibérément de se parquer d'elles-mêmes en banlieue, dans des HLM parfois, souvent insalubres, pour y comploter le plan machiavélique d'un fantasmé grand remplacement. Salut l'internaute, c'est Jemil. Les temps sont durs, hein, n'est-ce pas? Sans doute comme toi, je subis, mais alors, très fortement la situation, mais avec le sentiment d'être encore très loin d'avoir touché le fond. Alors voilà, on voit clairement que l'usage de ce mot communautarisme, du communautarisme, le communautarisme, le communautarisme, et le communautarisme, communautarisme, sert aux personnes et groupes clairement racistes, exclusivement de droite, de paravent bien pratique pour discriminer une partie précise de la population française et, l'air de rien, jouer le jeu tout aussi précis des terroristes qui souhaitent diviser les terrorisés que, consciemment ou non, nous sommes. Jamais n'est tentée une réflexion saine et sérieuse à heure de grande écoute sur ce qui a amené à cette situation conflictuelle, injuste et indigne. La guerre et ses raisons, ses justifications économiques, les migrations de population dues à celle-ci, la précarisation, l'ultra-mondialisation et ses nombreux et nombreux laissés pour compte, la prédation du capitalisme, les rapports de classe, etc. Bref, cette pensée complexe-là est écartée, éradiquée du débat. Du débat politique qui n'existe quasiment plus, tout n'est que confrontation, hystérisation. Pire, celles et ceux qui s'y essaient encore, à gauche, et là je pense particulièrement à Jean-Luc Mélenchon, sont systématiquement calomniés, insultés, moqués, traînés dans la boue devant la justice pour rébellion, tandis qu'aux antipodes, l'extrême droite, elle, est labellisée républicaine par la Macronie qui n'espère que ça de se retrouver face à elle en 2022. Pendant ce temps-là, au milieu du chaos alors sciemment créé, se gavent et s'engraissent les plus prédateurs des capitalistes. Sans aucun scrupule, le crime leur profite, et ils le savent, même l'encouragent, jusqu'à financer les campagnes politiques des libéraux jusqu'au Front National lepéniste, tous compatibles avec le projet néolibéral actuel. Il est important de comprendre correctement ces rouages pour que dans les ténèbres qui nous entourent chaque jour un peu plus, qu'on veut le voir ou non, l'on puisse chercher, trouver, peut-être même créer la petite lumière qui saura nous guider comme ça vers un avenir meilleur en commun. Et j'insiste sur « en commun » car il s'agit là bien aussi de communauté. Mais une bien plus large, plus inclusive, la communauté française tout entière. Foncièrement variée, aussi opposée sur mille choses, rassemblée sur d'autres encore bien plus nombreuses, mais toujours française. Éclatante de diversité, c'est sa force. Plus largement encore, nous pouvons, nous devons aussi parler de communauté humaine, qui a bien plus d'intérêts communs, besoin d'air pur, d'eau potable, d'un travail digne, de besoin de bonheur universel, que de terrain de discorde justifiant la guerre civile. Car c'est exactement ce qui nous guette si nous quittons pas très vite cette voie d'hystérie. Alors quand notre gouvernement, par exemple au travers de Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, ministre de la Police, argumente sérieusement une radicalisation terroriste au travers de la disposition d'articles alimentaires en rayon de supermarché et de choix culinaires, je m'en fous. Il cherche à isoler, à séparer une partie précise de la population du reste du peuple français. Alors le message politique est clair. Le gouvernement souhaite stigmatiser, diviser et terroriser. Tout en disant le contraire, bien évidemment.
Mais divisé, oui, d'accord, mais au profit de quoi, de qui? D'un autre communautarisme, étrangement jamais commenté, le leur, celui des bien-nés, des ghettoisés, eux aussi, eux par choix, dans leur quartier de riches, avec leurs écoles, leurs commerces, leurs codes, leurs privilèges, avec leurs médias, leur police, leur gouvernement. Cette communauté est celle qui détient le pouvoir partout. Politique, médiatique, industriel. À l'échelle du pays, ils sont qu'une poignée, mais terriblement organisés. Et pas depuis hier. Au gouvernement, comme dans les médias, ils ont leurs représentants, leurs porte-paroles, leurs chiens de garde, leurs laquais. Toutes et tous bien appliqués à répandre la petite musique de soumission et de division qui leur profite. Rien n'est laissé au hasard. Les complotistes parleront de grands plans mondiaux satanistes, moi plutôt d'organisation rationnelle de sauvegarde d'intérêts de classe. Ouais, c'est beaucoup moins sexy, désolé, c'est pas hollywoodien. L'attaque au couteau de deux Françaises d'origine algérienne qui se promenaient avec leurs enfants il y a quelques jours sous la tour Eiffel, comme les tirs contre la mosquée de Bayonne à Lyon, etc., et nombre d'autres en sont leurs fruits. Ils sont responsables. Ils mettent sciemment en danger l'ordre public, qu'ils disent pourtant aimer et défendre. Ils doivent alors être combattus comme tout terroriste. Car c'est ce qu'ils sont. À l'heure où le couvre-feu, décidé par Macron et une poignée de personnes, sans aucun débat à l'Assemblée nationale, ni consentement démocratique, va s'abattre sur 46 millions de Français, à partir de 21h ce soir, jusque dans ma Haute-Savoie. Et ces villages et chalets perdus en montagne, là où il est bien connu, le coronavirus sévit pile après le travail. Il est devenu urgent de se rendre compte que nous n'évoluons pas dans une démocratie, mais dans un simulacre de démocratie. Nous sommes en oligarchie. Et ce n'est pas nouveau, cela fait des décennies que ça dure, mais la crise sanitaire actuelle vient exacerber la situation. Cette oligarchie au pouvoir, organisée avec sa cour rapprochée, forme une communauté d'extrémistes qui échappent systématiquement à la justice et aux impôts. Ainsi, ils ont fait sécession d'avec le reste de la population, ne participant plus à l'effort commun, mais souhaitant garder le pouvoir et la domination sur nous, par manipulation, par fraude et par la force. Je ne sais pas comment tout ça va se terminer, par où et par quoi on va devoir passer. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que ça doit cesser. Pour une république libre, une et indivisible, au service du peuple français, un et indivisible. Camarades, frères et sœurs, black, blanc, beurre, comme on disait dans les années 90, ne nous laissons pas avoir par ces parasites. Nous sommes ensemble. Merci de m'avoir écouté et je te dis à très vite ici ou ailleurs. Ciao.